Hello tout le monde, on se retrouve sur Légende Pokémon Arceus pour vous montrer comment capturer un Evoli et le faire évoluer sous toutes ses formes. Tout d'abord, on pourra obtenir des Evoli sauvages dans les terres immaculées, la côte Lazuli ou encore les plaines obsidiennes. D'ailleurs, ce que je vous recommande si vous en voulez en début de partie, c'est d'aller au Valferrache et près de ce lac, on pourra apercevoir dans les hautes herbes un Evoli. Par contre, il n'apparaît pas à tous les coups et il fuit assez facilement. Autrement, il sera beaucoup plus facile d'en capturer un dans les distorsions spatio-temporelles. Il pop assez souvent. Du coup, une fois qu'il est dans notre équipe, on peut le faire évoluer de 8 façons différentes. Pour un Aqualy, un Pyroly ou un Voltaly, on va aller voir Trado à Rusticité pour lui acheter des pierres évolutives au prix de 1000 points de bonne action. Il y a une pierre feu pour obtenir un Pyroly, une pierre eau pour un Aqualy et une pierre foudre pour un Voltaly. Pour obtenir un Filali et un Givrali, on pourra utiliser une pierre plante ou une pierre glace, mais on pourra aussi toucher des rochers pour les faire évoluer gratuitement et plus facilement. Pour Filali, direction les plaines obsidiennes, et on va se diriger tout au sud-ouest de la forêt lointaine. Au milieu de tous ces arbres, on pourra apercevoir le rocher mousse, et il y a juste à se rapprocher pour qu'Evoli puisse évoluer et ainsi obtenir le type plante. Pour Givrali, c'est dans les terres immaculées que ça se passe. La roche de glace se trouve entre le glacier Seracrawl et l'étendue polaire. Dans la neige, on pourra apercevoir une petite grotte et il faudra se laisser tomber dedans pour y retrouver le rocher tout au bout. Comme pour Filali, il faudra se rapprocher de la roche pour pouvoir lancer l'évolution de type glace. Et enfin, pour obtenir les trois dernières évolutions, il faudra rendre heureux notre Evoli. Pour ça, on pourra l'envoyer récolter des bêtes dans les arbres, éclater des rochers pour récolter des galets, gagner des combats et de l'expérience, ou encore le soigner avec des baies. Ou sinon, ce qui marche vraiment très bien, c'est de lui donner des bonbons expérience. On pourra connaître le niveau d'amitié d'Evoli grâce à un mot. Il se trouve non loin du pâturage de Rusticité, et lorsqu'Evoli est prêt à évoluer, sa Pokéball va se mettre à briller. S'il fait jour, il évoluera en Mantali, et s'il fait nuit, ce sera un Noctali. Et enfin, on va terminer avec Nymphali. Pareil que pour Mantali et Noctali, il faut qu'il soit au maximum du bonheur, mais en plus de ça, il faut qu'il ait au moins une capacité de type fée dans ses attaques au moment de le faire évoluer. Et voilà le travail! Désormais, vous savez tout sur les évolutions. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Tous mes liens sont dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!